Pour le salut de ton âme, le péage a été payé. Pour la guérison de ton âme, le péage a été payé. Passe, 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 le péage a été payé. Ne te pose plus de questions, oh, le péage a été payé. Le pont entre Dieu et l'homme, le péage a été payé. Dieu peut devenir un homme, le péage a été payé. Pour te pécher d'hier, le péage a été payé. Pour te pécher d'aujourd'hui, le péage a été payé. Même tes péchés du futur, le péage a été payé. Alors, pointe noire, pointe noire, pointe noire. Je vais vous appeler combien de fois? Je vais vous appeler combien de fois? Nous sommes déjà là pour la grande campagne d'évangélisation qu'organise le pasteur Life et son église Rouge-Gorge Tabernacle. Ça va commencer ce samedi 3 au dimanche septembre, c'est-à-dire de 14h à 19h. Je crois que le frère Aigle va donner l'adresse. Ne manquez pas. Tu es malade, tu as un problème. Oh frère, depuis que moi je suis né, je ne comprends pas. J'ai que de douleur, ça me dérange. Si tu as testé avec ton Dieu, je ne sais pas, mais viens tester un peu avec le Dieu de Branham. Tu vas voir. Parce que lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le péage a déjà été payé. C'est question, tu viens seulement, tu passes et tu crois, tu auras ce que tu cherches. Alors c'est un peu ça, nous sommes là, je ne suis pas venu seul. Nous sommes venus avec CDC, Aigle, le secrétaire particulier du pasteur Life. Alors vraiment que Dieu bénisse cet homme. Hein? Je suis comme un bébé. Frère, des fois quand nous arrivons à l'aéroport, surtout au Congo, beaucoup de stress, même si tu es en ordre. Mais depuis que j'ai quitté Lubumbashi jusqu'ici, on ne m'a même pas demandé les tests Covid, grâce à cet homme. Frère Aigle, shalom. Shalom, frère Seigneur, Dieu bénisse. Amen, amen. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Quel est d'abord le secret, hein? Parce que je ne comprends pas. On ne me demande même pas le passeport. Le secret, c'est quoi? Non, c'est juste la confiance en soi-même, oui. Le respect des autorités, oui. Et surtout, je suis à côté d'un grand homme. Oui, oui. Et ça aussi, ça crée beaucoup de l'impact. Ok. Ouais. Alors, merci frère Aigle. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire particulier du pasteur Life. Alors, comment le programme? Nous venons d'arriver à Pointe-Noire et parlez-nous un peu comment le préparatif. Oui, mais comme vous voyez, hein, le décor vient de changer. Nous ne sommes plus à Lubumbashi, ni à Kinshasa ou à Brazza. Oui, oui. Nous sommes carrément à Pointe-Noire, oui. De la capitale économique où va se tenir la grande campagne d'évangélisation, oui, oui. Le 3, donc c'est samedi. Et dimanche 4. Donc, tout se prépare à merveille. Déjà, le bureau était monté il y a longtemps. Oui, oui. Et l'équipe est déjà sur place qui travaille nuit et jour. Oui, oui. Et je crois déjà cet après-midi, le podium sera installé. Oui, oui. Cet après-midi. Cet après-midi. Alors, les orateurs qui vont intervenir? Les orateurs, nous avons déjà le pasteur Jules Ndame du Cameroun. Oui. Il revient de Douala. Oui. Il y a le pasteur Gédéon le Bombardier, oui. De l'Angola. Oui. Il est aussi sur place. Le pasteur Le Foco du Ciel sera aussi aujourd'hui dans la capitale économique. Sylvain Kualo, ça arrive. Le pasteur Sylvain. Taux d'araba, ça veut dire quoi? Merci Seigneur. Ça veut dire merci Seigneur. Merci, quand Seigneur. On dit taux d'araba 2. Taux d'araba, c'est. Dieu nous a gardés, il nous a préservés de maladies, de corona, de ceci, de cela. Oui, oui. Et pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas le remercier? Donc, pour des raisons de reconnaissance, c'est là où nous tenons ce concert. Nous oui. L'avons déjà tenu à Kinshasa. Oui. C'était plein, 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 plein. Et Dieu s'était manifesté à merveille. Oui. Et beaucoup avaient réclamé, il fallait que ça se passe aussi à Brazzaville, à Pointe-Noire et tout. Gloire soit rendue au Seigneur, le pasteur Life. Qui a toujours été disposé pour servir Dieu. Il a voulu aussi que la deuxième édition se passe ici, dans la ville là où il vit. Ok, l'adresse est où? Ça va tenir. Donc, ça va se tenir à l'école Antoine Bantou, oui. Juste là en Vouvou. Oui. Oui, juste là en Vouvou, à Récasse du Parti. L'entrée est gratuite.
Il n'y a pas à payer. Il n'y a pas à payer. Il n'y a pas à payer. Donc, il n'y a pas à payer. Taux d'arabe. Vous n'allez pas payer. Oh, frère, droit d'entrée. Non, ça sera gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrée. Mm-hmm. C'est le moment où tu payes ton billet, tu arrives. Oui. Donc, ne jamais manquer ce moment. Oui, oui, oui. Très, très, très... Ah, le billet là, c'est là où tu habites là, pour venir, parce que l'avion, on ne va pas dire c'est gratuit, parce que ce n'est pas de frais qui sont là. Non, non, non. Donc, maintenant, rater tel événement, c'est pour attendre quel mois, quelle année. Donc voilà. Alors vous dites que ça commence déjà ce samedi. Oui, oui, dès ce samedi, donc à partir de 14h pile, on lance. Oui. On lance. Alors venez, venez, venez nombreux, comme Frère Aigle vient de le dire, c'est-à-dire nous sommes déjà à la pointe noire. Nous ne sommes pas venus seulement avec ce message, mais aussi la puissance de ce même message. C'est-à-dire, nous serons guéris, les malades seront guéris, parce que lui-même, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Le péage a déjà été payé, le prix a déjà été payé, c'est question de passer croire. Dieu utilise toujours des hommes. Même pour le salut, il faut que Dieu vienne dans l'homme. Hein? Et aujourd'hui, Dieu aussi dans des hommes. Il va utiliser ce vase, pasteur Life Lufogo du ciel. Et je crois que tu auras la réponse à travers ces hommes. Venez, ne manquez pas. Si toi tu n'es pas malade, même quelqu'un de ta famille, tu peux avoir quelqu'un de ta famille qui vous souffre. Depuis que moi je suis né, ça ne marche pas. Des affaires et tout, et tout, et tout. Amenez cet homme-là. Si tu as testé avec le Dieu de qui, mais le Dieu de Branham cette fois-ci, amenez-le. Parce que le péage a déjà été payé. Alors venez, venez, venez nombreux. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà à la pointe noire. Venez, venez, venez. Le frère Aigle vient de donner l'adresse. Alors le pasteur Bombardier de l'Angola est déjà là. Il est déjà là, le pasteur. Le pasteur Gédéon de l'Angola est là, ça fait déjà trois jours. Trois jours. Ouais. Le pasteur Jules est arrivé avant lui. Donc tout le décor est déjà là. Tout le décor est bien monté. Oui. Donc il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi qui vont venir. Oui. Et de la ville et d'ailleurs et tout ça. Donc, vous n'avez pas vraiment raison de manquer à cet événement. Vous n'avez pas raison. Oh non, l'argent, oh je vais entrer. Il n'y a pas de droit d'entrée ici. Il n'y a pas de droit d'entrée. C'est gratuit. Vous venez seulement et vous entrez. Parce que le péage a déjà été payé. Pour tout. Tout. Toi, tu passes seulement et puis tu décoches ta bénédiction. Vrai, si tu manques, tu vas attendre en 2060. Tu vas attendre en 2060. Taux d'Araba. Voir encore Pasteur Life. Pasteur Sylvain Kouala, chanter ensemble. Congo Brazzaville, pointe noire. Vous allez attendre en 2060. Alors nous sommes là. Hein, pour le salut de ton âme, le péage a été payé. Pour la guérison de ton corps, le péage a été payé. La divinité restaurée dans l'homme, le péage a été payé. Pour ton salut, ma bien-aimée, le péage a été payé. Nous sommes là, c'est-à-dire déjà l'aéroport, on continue, on va revenir encore. Branham ou rien, le jeune du message c'est Branham. Oh frère, comprenons, on ne comprend pas. Nous on comprend ce que frère Branham a dit. Wamba ou Bala, shalom, bye.